Vas-y, Freeman, le coup. Le beau gosse. Puis ça faisait 3 jours, il m'avait pas texté. Fait que j'ai envoyé une vidéo de moi en train d'embrasser mon autre ex d'avant. Wow. Ouais, oh. Je sais pas, c'est spécial. Aujourd'hui, notre. Ah, dinguerie, frère. Ah, ça, je pense que je peux être un câble. On dirait théorie d'internet, des chaînes, des gars très critiques des femmes. Non, même pas, frère. En fait, on dirait surtout les théories, t'as vu, les trucs sur TikTok et tout. Ça, je rigole, je me la règle, bien sûr. Non, par contre, je suis vraiment sérieux pour le prime d'un mec. C'est vraiment 33 ans. Mais pour le reste, je rigole, frère. Du coup, frère, c'est Alexis Chen en plus qui a dit ça. Avant la puberté et choisira la fille qu'il aime le okay. plus. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à travers la vidéo, je lui réserve des avantages qui pourraient l'aider à faire le meilleur choix. Qu'est-ce qu'il dit de monter le rideau? Non, mais non. Mais non. Bienvenue à Blind Date Glow Up partie 4. Accueillons Monsieur Freeman. Moi, je pense que j'aurais pu glow up. On m'a dit, faut venir ici. Freeman est trop beau, frère. Donc, il est trop beau gosse. Je l'aime trop. Malheureusement, on joue avec moi. En termes de wesh, calmez-vous par contre. Après, elle aime bien jouer avec mon petit cœur, tu vois. C'est pas le bon choix là, de venir ici. Les filles ici, je joue pas. Là. Oh, mais j'ai trop de temps. J'ai beaucoup de temps, frère. Bon, commençons. Hein, le 28, j'aurai du temps. Ok, j'annonce frappe atomique. Blonde, c'est sûr. Ça va. Toutes les blondes font des frappes. Des vraies blondes. Enchanté. Puis je suis coach et je fais de la création de contenu. Ah, c'est un bon début. Il y a une plateforme pour la création de contenu. Créatrice de contenu, c'est déjà bien. Ouais. Attends, tu m'as dit que t'es coach aussi? Ouais, coach. Entraîneur, fitness. Ok, fitness girl et créatrice de contenu. Ouais. Numéro 2. Je pense que ça doit être sur YouTube. Salut, mon nom est Maquia, j'ai 18 ans, je suis mannequin, étudiante et sauveteur. En tout bien tenir, bien sûr. Ça va peut-être sauver ta vie. Ah, on sait jamais, bah ouais, c'est un c'est vrai, mannequin. Depuis quand? Ça va faire 4 ans cet été. Ah mais nice, ok, c'est cool ça. Tiens, en plus je connais un mannequin, mais c'est une fraude aussi. Je sais pas nager sur le pomme, sauf que sauver dans la piscine. Ah, gâche. Rigole, oui. Il y a pas de piscine ici, mon âme. Si on va à la piscine ensemble. Oh. Ouais, je sais pas si c'est création de contenu de quoi. Tu sais, elle doit avoir une chaîne, je vais garder mon soupçon. Ouais. Elle dirait le prix au Hebs. Comment on appelle ça, mugshot? Putain, c'est chaud. Quand je vois ça, j'ai l'impression qu'elle est méchante. Ça me rappelle quoi? Les méchants. Mon ex. Qui, tu vois? Et ça me fait peur un petit peu, tu vois? Je m'appelle Lina, j'ai 23 ans. Ok. Dans la vie, je suis un peu écrite. Ah merde, encore là. J'aime bien. Tatoueuse. Attends, mais en fait, le problème, c'est qu'elle précise pas c'est quoi comme créatrice de contenu. Je sais pas si c'est créatrice de contenu. Genre YouTube et tout, ou créatrice de contenu avec des guillemets. J'ai des tatouages. Tu méritais la balle perdue, wesh. Ah ouais! C'est Ariel, j'ai 21 ans puis je suis étudiante en fashion marketing. Ah ouais! J'aime bien m'habiller. Je sais pas ce que c'est fashion marketing. Si, ah ok, c'est elle bon, je sais. Elle peut me guider, etc. Parce que moi avant j'étais éclaté au sol. Je peux mettre un jogging, après ça passe. Mais si c'est des jogging gris, ça va. Oh. Ah! J'ai compris, wesh! Ouais, yo. Ok. Je pense que la couleur gris actuellement on voit un peu plus comme les formes. Ouais. Les ouais. Formes. C'est transparent? On en voit mieux ta queue d'un gris. Mais t'es cache au moins. On va voir ça. Oh shit. Elle rebut, je crois, non, on dirait. Mon nom c'est Danka, j'ai rien à voir. Je suis une barmaid. Ah, ok. J'ai niqué. Avec mon expérience, est-ce que les barmaids c'est des gentilles filles ou des méchantes filles? Non, ça va, j'étais gentil avec moi quand même. Ah là. Barmaid gentil. Prends, elle ressemble à Prime un peu. À droite. Je prends une photo pour Instagram. Pour? Parce que là, je fais un nouveau segment. Je demande au monde sur Instagram, ceux qui follow, si vous n'êtes pas abonné, je sais pas ce que vous faites. Je leur demande qui pense qu'il va gagner. Je fais du contenu exclusif pour Instagram. C'est bon. Comme ça, à la fin. Attends, j'ai pas vu les. Qui pense. Ok. Mais en fait, c'est dur, frère. Je sais pas. En fait, j'ai pas d'idée. Exclusif pour Instagram. C'est bon. Comme ça, à la fin. En fait, pour moi, celle qui a eu. En fait, pour moi, je pense qu'elles ont toutes eu un glow up. Mais. D'après ce que je me suis basé et tout, elle, c'est obligé, coach de fitness et blonde, c'est sûr à 100%. Je le dis maintenant, les blondes foudroient les brunes tous les jours, j'en ai rien à foutre, genre, je le dis, je n'ai pas peur de dire. Ou alors les rousses foudroient... Ah, ça dépend, après, ça, il y a des belles brunes, il y a franchement des brunes qui sont mignonnes et tout, mais blonde et rousse, frère, c'est... Tu peux pas faire genre, vraiment, c'est trop. Elle... Glow up, mais je pense qu'elle doit être grande, ça doit être un CRS, limite un basketteur. Mais pourquoi pas. Elle, c'est obligé, parce que toutes les personnes qui étaient grosses ou en surpoids, des trucs comme ça, bah elles ont eu un glow up de bâtard. Sauf moi, ça, je suis l'exception à la règle, mais au calme, c'est pas grave. Elle, je sais pas, et j'ai pas d'idée, ça, mais je vois ses yep et... Elle a des gros, elle a un gros article quand même. Et elle, Prime, je sais pas. J'en ai aucune idée de Prime, c'est la glow up. C'est que c'est une blonde des trucs. C'est qui passait, tu sais? C'est brillant quand même. Des fois, là. Fait que là,
T'as pas de temps à parler aux filles, mais il va falloir que t'en élimines une avec juste ce que t'as eu live. Maintenant! Ok. Bah déjà, c'est sûr que celles qui sont créatrices de contenu... Toujours on dirait Prime! Je vais te garder. Parce que je dois creuser un petit peu plus. Mm-hmm. Donc là, il en reste 3. Blake, il la connaît. 3, 4... En fashion. Je suis obligé de garder. On s'entend. Maintenant, il en reste 2. Et dans les deux, il y en a une qui est barmaid. Et l'autre qui est mannequin. Maintenant, il en reste 2. Et dans les deux, il y en a une qui est barmaid. Mais c'est pas juré qu'on dirait pas Prime, frère. J'ai de la crise lata, frère. Prime petit. Ah, mais pourquoi ça me... Ah, ok. En fait, ça me met la prime d'activité. Mais je suis pas encore au RSA. Prime time fut. Enfant. J'ai juré qu'on dirait lui, frère. Regarde. Ose me dire qu'on dirait pas lui. Non, c'est pas ça. Ose me dire qu'on dirait pas lui, là, maintenant. Genre, vraiment, c'est la même personne. Il y a une ressemblance de fou, frère. Je te jure, il y a un air. Je le jure qu'il y a un air. Et en fait, celle qui est mannequin, le problème avec les mannequins, c'est quoi? C'est qu'elles sont bad grandes. C'est vrai. Tu vois? Moi, après, il y a des mannequins nains royal, genre aussi. J'ai une bonne taille. Et si elle est plus grande que moi, c'est bizarre. C'est-à-dire que si je dois en éliminer une, bah... C'est la mannequin. Ça va être candidate numéro 2. Oh, 2? Moi, je trouve qu'elle a du potentiel, bah. Dès que j'essaie de rattraper la balle au bon. Commence pas. Alright. Maïka, tu peux révéler ta face. Contre, elle a des pieds un peu... Oh. Ah. En fait, c'est pas... Okay. C'est pas... C'est pas mon style, mais très joli. Beaucoup plus grand. Par contre, les meufs, ça... En fait, j'ai vraiment une question à vous poser. Genre, pourquoi à chaque fois vous avez des bleus, des hématomes, on dirait que vous mettez des leg kicks, des... Je sais pas, toutes les meufs, j'ai l'impression qu'elles ont ça. Genre, elles ont des espèces de gros bleus sur leurs jambes, je sais pas pourquoi. Beaucoup plus grand. Genre, j'arrive pas à savoir pourquoi. Ou même sur le bras, ouais, des trucs comme ça. Nuit, hein. Genre, vous battez la nuit t'es, ou... T'es une belle femme, vraiment. Oh là, je comprends ouais, pas. Très belle femme. Honnêtement, c'est pas très grave. Je serais sortie avec quelqu'un qui serait confiant de sa grande... Ouh. Après maladie, t'as une petite bite. Je voudrais pas me sentir mal de sortir en talon haut. Être... Ah, moi, tu m'aurais dit ça. Ah non. Ça me touche pas. Ah ouais. Non, désolé, Mike. Vas-y, il y a une petite bite. Merci beaucoup de t'avoir prêté au jeu. Mec, il rajoute trop. Des questions de préférence. Pas mal, Maïka, mais pas mon style. Très difficile. Mais elle était belle au naturel. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la photo. En fait, dans la photo, c'est au chalet avec ma famille. C'était ma fête de 7 ans. Et le petit toutou qu'on voit, c'est un toutou que je m'étais fait donner cette journée-là. Très bien. Il s'appelait comment ton... C'était un cupcake, fait que j'y ai pas vraiment donné de nom, honnêtement. Là. On dirait un peu un tonton, mais... J'ai envie de l'appeler Reggie, mais moi. J'ai la journée même. Jessime. Candidate numéro 4, est-ce que tu peux m'expliquer ta photo, s'il te plaît? Et en fait, j'étais à l'école secondaire, mon ancienne école, et la photo, j'étais avec quelqu'un, c'était l'ex de ma sœur, mais je l'ai coupé la... Ouais, l'accent frère, il est présent de fou furieux, par contre. Après, c'est québécois, hein. On peut pas leur en vouloir. J'étais vraiment proche de lui, mais moi, j'ai perdu tout respect. Mais je me suis habitué. C'est une bonne chose, la fidélité, c'est important pour moi. Et je peux pas regarder les VF québécoises, des trucs comme ça. La troisième, qu'est-ce qui se passe dans ta photo? Le son est robotisé ou pas, ou il est bien? J'ai vraiment de marde sur la photo. Comme je me suis réveillée, mes parents m'ont fait chier. J'ai passé une mauvaise journée. J'avais 15 ans, j'étais en crise d'adolescence. Oh, le mensonge. Elle est tombée pour trafic de stupéfiants. Elle part sur Hep, ça a pris une photo directement. Puis en plus, j'aimais fucking manger. Genre, j'étais vraiment heavy un petit peu. Tu manges bien au moins? C'est-à-dire que je suis chargée. T'es chargée? Je suis Géchar. Oh. Elle est quoi? Elle est Géchar. Ça, c'est un terme que j'aime bien. Ça veut dire elle a des formes. Voilà. Elle parle français aussi au bout d'un moment. Voilà, donc c'est parfait. Ah, il était choqué. Ah merde, attends pas. Putain, t'es mal comme il est choqué. Voilà, donc c'est parfait. Je pense que je faisais un sudoku, honnêtement. On dirait un peu un sourire, ça. Tu sais que j'ai des photos de moi petit. Ouais, j'ai des photos de moi petit. Attends, je vais voir si je vais t'en trouver. J'ai des photos de moi petit, mais en fait quand j'étais petit j'étais vraiment un beau bébé, genre j'étais trop mignon, j'étais trop relou, j'étais incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé entre temps, j'ai glow down parce que je pense que c'est les gens en fait qui m'ont jeté l'œil, ces bâtards, c'est pour ça. Maintenant je ressemble à Boudère, même si Boudère est beau gosse, je ressemble à ça quand j'étais petit, wesh. Ça va, j'étais mignon quand même. J'avais un petit flou et tout. Faudrait que je revoie Ouais, faudrait que je sélectionne des photos de moi quand j'étais gamin, genre. Tu sais, quand j'avais des...
J'avais des photos où j'avais des brosses à dents, tu sais, dans la bouche, je conduisais des BM et tout. Mais genre vraiment premier degré, mais des BM miniatures. Ouais. T'as dit, je sais pas quoi. Mesquine. Exactement. T'as nante, je pense. Est-ce que tu l'es toujours? Attends, découvrir. Tu vois, elle veut. Comme ça. Voilà, ça veut tout dire. Man, Kiri. Tu veux nous parler de toi? Moi, j'irai par la suite. D'origine martiniquaise hongroise, et ça fait 8 ans que je suis à Montréal. J'ai un tatouage pour ma maman. Parce que ouais, ma mère, je l'aime de tout mon cœur, tu vois. Et on est beaucoup. Dans ma famille, on est 10 enfants. 10 ? Ouais, on est. Tu sais qu'à l'époque, il était vraiment. Ça, elle s'est élevée toute seule. T'es martiniquais ? Je suis fat un peu. Ouais, je suis pas fan. Ah frère, j'ai pas non plus mon album photo sur moi. Vas-y, demain je te le prends tous en photo. Je fais une sélection. Bah attends, mais pourquoi tu me demandes des photos de moi ? Pchit, t'es bizarre toi. Oui. Absolument, ça marche très bien. Flute, c'est l'application de dating qui te permet à rencontrer des gens très facilement à l'aide de. Le premier. C'est la pub. J'ai déjà mes choix. Ah ouais, c'est déjà. Ouais. Oh wow. Je vais te donner le troisième fruit, c'est le pastèque. Ouais, par contre, c'est un beau mélange. C'est pas comme moi, je suis. C'est pastèque. J'ai un mélange full arbi, genre. 100% arbi. Le melon d'eau, c'est pour des câlins sans pépins. Pas de problème. Pas de problème. Mais le dernier, là. Attention. En gros, c'est plan cul. Coup d'un soir. C'est chaud, lui, pour les coups d'un soir, hein. Ok, t'es sûr que tu m'as la pêche, là? Attends. Fruits aussi, ils ont une autre caractéristique qui se distingue, c'est leur smoothie. Leur smoothie, c'est les questions que t'as dès que vous matchez avec la personne. Ton dernier rêve érotique. Sur mon dernier rêve érotique, frère, il y avait. Et Patrice Carteron dedans. Donc, les deux, vous devez répondre en même temps, avant même de commencer à vous parler. Ça évite les salut, ça va. Avant qu'il finisse, je prends le temps de vous dire que le lien dans ma description. Ça y est, la sponsor, ça y est, je t'aime bien, mais. Y aller, c'est le moment. Ouais, c'est pour faire parallèle avec l'émission. Parce que ça supporte la chaîne. Je vous souhaite de trouver une personne. Après, il fait ça, il a raison. J'aurais fait pareil, même moi. Oh, t'es cute. Oh, le mensonge. Putain. On peut voir avec chaque fille quel fruit qu'elles auraient pour toi. Ah, ok, let's go. Ok. Ok, elle, cerise, je crois que c'est sérieux, si je dis pas de bêtises. Elle veut Ken. Elle veut Ken, mais que un soir. Et elle, je crois, elle veut une relation sérieuse. Elle veut une relation, mais... genre avec du cul. Je sais pas, en fait, j'ai rien compris au concept. Tu pensais plus à l'audifone, alors pour commencer, avant de savoir, je suis sûre... Non, mais après, c'est des rêves personnels. C'est intime. Puis ensuite, on découvre, tu sais. Mais ça peut se transformer en cerise. Moi, Mais ça, c'est quoi, déjà? Attends. Attends. Quitte. Ok, raisin, c'est pour un verre de vin sans la grappe. Ok, c'est pas de coup d'un soir. Et après, elle veut du sérieux. Ok, donc elle, c'est vraiment, on parle et tout. Et après, si ça match, ça match, ça match pas et tout ça. Pastèque, c'est un plan cul. Pêche, coup d'un soir. Ok. Donc elle veut vraiment. Elle veut vraiment, genre. Ok. Elle, c'est raisin. De cerise. Sérieux ici, toi, encore. Non, okay. J'aime entendre ça. Lina? J'aurais donné des raisins aussi, parce que moi, j'ai quand même beaucoup de critères par rapport à mon partenaire. Je trouve ça important d'apprendre à connaître quelqu'un avant de prendre une décision. Je préfère autant commencer par un verre de vin juste pour discuter, voir si la chimie est présente. Elle jauge un petit peu. C'est quoi le prix que t'as donné à Lina, toi? Le steak. T'as tellement accentué sur le fait que t'es Géchard. Je t'ai mis... La pastèque, c'est... Mais ça façon... mais moi, je fais partie de l'équipe, mon frère. Je comprends ta décision. Puis, de toute façon, tout le monde dit que j'ai beaucoup de sex appeal. Fait que ça fait... Peut-être que c'est un bon choix. Il reste deux fruits. Ok. Ariel. Oh, frère, je suis dans l'émission de base. Je t'ai derrière le rideau. La simple et unique raison, parce que j'aimerais peut-être apprendre plus à te connaître. Si jamais on peut rendre cette chimie-là plus loin, ben, si on peut... Si je peux dire. Ouais. J'aime ce segment, là. Fashion. J'aime cette assurance. Tu vois? Toi, naturellement, tu l'as pas donné sex friend. Tu... Mais je lui ai donné un vibe. Je pense que j'ai j'aurais mis pas steak à tout le monde, non, je rigole. La pêche. Tu vois, j'arrive dans l'émission, je mets même pas steak au jury à tout le monde, frère caméraman. Mais je crois que c'est ça que je me mettrais sur la personne de toute façon, parce que je veux pas... En vrai, c'est des émissions québécoises. En vrai, les deux sont gagnants. Si ça flot, ça flot. T'as raison, en vrai. Je lui ai mis raisin parce que je me suis dit que le petit date autour d'un verre... En vrai, c'est drôle, moi, je trouve. Danica. Oui.
Est-ce que tu es ouverte d'esprit? Je dirais que c'est une de mes grandes qualités. Ça, c'est bien. Ouverte d'esprit, j'aime bien parce que c'est dire que tu sais tenir une discussion, alors tu sais parler de tout et de rien pendant des heures. Oui, ouais. Pas comme certains. Peu importe c'est quoi le sujet, pendant deux ans, ils te ghostent. En entendre parler, puis même si c'est pas nécessairement quelque chose à base qui pourrait m'intéresser, ben, tu sais, exemple, on parle d'un. Pour un sport ou quoi que ce soit, je serais prête à l'essayer quand même. Moi, c'est vraiment ça. On peut faire n'importe quoi, même on peut se balader ou quoi. Si la discussion est parfaite, bah, le day sera parfait pour moi. Mais c'est en fait, moi, je suis ce genre de mec, ça me casse les couilles. À chaque fois que je parle avec quelqu'un, avec une meuf ou autre, genre même au travail, un truc comme ça, bref. Mais la plupart du temps, quand je parle avec une meuf, un truc comme ça, frère, à chaque fois, c'est moi, je suis obligé de relancer le sujet de discussion, je suis obligé de parler tout. À tête de moi, en fait, genre, une fois, il s'est passé un truc, genre, je parlais avec une meuf et tout ça. Et genre, charbonner le plafond pendant, on va dire, allez, 3 semaines, 1 mois. Pendant 3 semaines, 1 mois, en gros, je parlais avec elle, il y a le feeling et tout ça. Et en fait, à chaque fois, c'était moi, je relançais le truc. Et en fait, j'avais trop peur de lui casser les couilles, genre, vraiment. Et je crois que j'ai reçu un message peut-être 3-4 mois après. Et en fait, elle l'a trop mal pris que du jour au lendemain, j'arrête de lui parler. Et limite, en fait, c'est moi qui étais en tort. Elle me dit, ouais, mais pourquoi t'as arrêté de me parler tout du jour au lendemain? Je pensais qu'il y avait vraiment un truc entre nous deux, puis tu me plaisais bien et tout, je pensais que ça marchait. Du coup, je lui ai expliqué, je lui ai dit, ouais, mais à chaque fois, c'était moi qui truc, qui relançait les conversations et tout, j'avais l'impression de casser les couilles et tout. Vas-y, je rêve, elle a pas aimé, elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué, frère. Ah, frère, bon beau classe fort, là. Contenu, fitness, etc., elle m'a tout dit, et c'est beaucoup de points positifs. Ah, je te jure. Savoir, est-ce que tu es mais en fait, ça, j'ai jamais compris. Ah oui, je fais tout le temps. En fait, mais... c'est pour ça que la tête de moi, je ne prends pas de nouvelles, que je ne parle pas avec les gens. Parce qu'en fait, j'arrive pas à mettre fin à une discussion à chaque fois. J'ai l'impression que je casse les couilles aux gens, je les dérange. Limite, je leur demande de l'argent ou un gros service. Et c'est pour ça. C'est pour ça que je parle avec personne, genre très clairement sur Snap ou sur Insta. C'est juste par rapport à ça. Même dans la vraie vie, j'ai l'impression de casser les couilles aux gens. Il y a des gens avec qui j'ai une bonne alchimie. Et genre, t'as vu, je peux parler avec eux pendant 5 heures, 6 heures, non-stop, même 24 heures. Et t'as des gens, frère. En fait, tu peux pas. Tu relances la justification et il se tait. Genre limite. Après, c'est bien aussi qu'il y ait des blancs et tout, mais. Mais tout à l'heure, quand je parlais. On est là pour parler, non? Ma gueule un peu. Et frère, je me suis résolu à apprendre le latin, le français, l'anglais, l'arabe et le chinois. Force à toi, ça va, frère. Frotté Duolingo, c'est comment? Allez, frère, abandonne. En vrai, je vais aller par la logique. Tu parles déjà français? Qui pensait à quelque chose de pas sérieux, en fait. Malheureusement, c'est la candidate numéro 2. 2. 4. Ariel. Ok. Ouais. Même Big Mich. J'annonce les gars. J'annonce. Les meufs avec des pifs tordus, c'est des frappes. Voilà comme ça on monte, vous savez. Ici, on est sérieux. Je m'attendais pas à ça. Comme ça on monte, vous savez. Oh, salut. Hein? Et donc tu penses quoi des viewers du chat? Ben, c'est des gens bien. Genre, je sais pas comment ils font pour me regarder moi, sachant que je suis un pion et tout. Mais ça, ouais, c'est des gens bien, genre. Force. Non, je les kiffe, wesh. Oui. Ouh, attends, j'ai pas vu le face reveal. Pardon. Attends, j'étais en train. Putain, des questions. Ouh. J'avais dit quoi? J'étais sûr. En fait, les meufs avec des pifs comme ça. J'étais sûr. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Oui. Après, moi, je suis là, Ariel, au cas où. Ça. T'es dégoûté là, hein, t'as le démon. Non, mais. Il se passe beaucoup de choses. Déjà. Quel goût. Il a le démon. Malheureusement, il a le démon. J'ai dû faire un choix, ouais. T'es très mignonne. Ah. Il a le démon. C'est pas grave. Ah, gars. J'avais pris chaud, en plus, je l'avais dit. J'ai une proposition pour toi. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il dit de monter le rideau pour voir leur outfit? Oh! Mais comment ça me un échange. C'est nous qui éliminons. Non, mais non. Mais non. Mm-hmm. Bah, c'est-à-dire que si je refuse, c'est moi qui élimine encore. C'est toi qui élimine. En fait, moi je vais dire la vérité. Si je participe à ce genre d'émission et que je suis derrière le rideau, je me mets en full Lacoste TN, t-shirt moulant. Genre vraiment, je fais une séance de fou furieux à la salle. Et genre, je bête tout le monde. Genre mais vraiment. On monte pas le rideau. Ouais, j'ai envie de voir la outfit. Ouais, non, vas-y. On le fait. Je prends le risque. Non, vrai, ça va, elle était pas mal. Elle a eu un gros glow up. Ok. Bonjour. Alors, pour moi, je suis pas Géchard, déjà. Moi, la vérité, je suis plus skinny que Géchard. Parce que skinny est supérieur à Géchard, pour moi. Donc, la 2, j'éliminerai et je prendrai soit la 1 ou la 3. En plus de ça, moi, j'aime bien le délire un peu, tu sais, quand les gens s'habillent tout en noir et tout ça, c'est un peu mon délire à moi, genre, en ce moment et tout.
Donc moi, je partirai sur la 3. Je surprime. Je match prime. Pardon. Oui, mais les TN, c'est pas le problème. Oui, mais comme ça, t'as vu, après qu'il reveal, ils voient tous ma vieille race et tout ça. Ils me disent, ah ouais, mais en fait, il est pas mal. Ou peut-être après, ou peut-être ils vont se dire le contraire, ça, je sais pas. Ok. Je sais plus quoi dire. Deux, je matche pas. Ouais, même les tatouages et tout, je trouve ça beau, mais quand il y en a trop, c'est. Très beau outfit. Moi, je trouve que le rouge te va bien. Hein. Le rouge. Ouais, il a faim, hein. Ouais, bah ouais. Il a faim, hein. Je me va bien, je pense. Ouais. C'est vrai qu'on matche. Je me dis quoi, toi? Le français, je suis à 80%, c'est vrai, juste pour te peaufiner. Ouais, pour la pour le pouvoir réviser la langue, surmonter certaines lacunes en quelques mois, c'est fini tout. L'arabe, c'est ma langue matérielle, mais je vais parler max un an si je bosse ça pour le latin. En vrai, je compte pas la parler, mais seulement revoir et finir mes connaissances et des langues en général. Sachant que le français prend ses racines de latin et le chinois dans longtemps, quand j'aurai acquis une nouvelle présence. Frère, j'espère pour toi que tu vas apprendre le français, l'arabe littéraire aussi, parce que déjà, c'est pas, on va dire, c'est pas le plus important. Enfin, c'est pas que c'est pas le plus important, mais c'est pas le vrai, vrai, on va dire, entre parenthèses. Et frère, le latin, force à toi, parce que cousin, entre les lugdulum, curriculum, je sais pas quoi là, ça, tu vas en chier. Mais je crois en toi, Oksap. Refais-moi un récapitulatif dans 6 ans, pour voir si t'as échoué ou pas. Et si dans 6 ans, t'as réussi, bah, je t'offre une grosse surprise, ça. J'espère que t'auras oublié d'ici là. J'espère qu'on se connaîtra même plus. Meuf tatouée, Aymen. Ouais, meuf tatouée, je suis pas trop fan en soi. Enfin, quand c'est tatouage discret et tout ça, je m'en bats les couilles. Mais genre, t'as vu les tatouages à la gothique et tout, je trouve ça trop beau. Enfin, je trouve ça classe et tout, mais c'est pas mon style, on va dire, de meuf. Genre vraiment, c'est la foucha que j'ai besoin. Je sais plus. Tu peux pas envoyer des mots normaux, frère. Après, si tu t'étonnes, les gens ils prennent pour un zgeg, frère. Et en fait, les gens ils prennent trop pour un zgeg. Genre vraiment. Ah, frère, c'est la frappe là, c'est celle-là que tu voulais. J'ai vu Jonathan à la 6ème, à la terminale. Oui, vas-y, c'est bon, ça y est. Moi, je pense que oui. Ah, j'aime bien les tatouages aussi. Reste au Moyen-Âge. T'as pas vu ça, force à toi, ça, mon rôle. C'est écrit Lone Wolf, genre. Non, mais c'est bon, ça y est, madame, s'il vous plaît. Un peu de tenue, wow. S'il vous plaît, madame. En vrai, j'ai un outfit préféré. Madame, s'il vous plaît. Oui. Merci. En fait, moi, j'aime bien le. On fait voir quand même. Tu vois, et je trouve que sur une femme, ça fait très, très beau. C'est vrai. C'est pour chacune, mais c'est la même question. Pourquoi je devrais. Je parle de l'arabe classique que j'apprends, pas le dialecte. Qu'est-ce qui te rend. Et là, ça fait depuis combien de temps que tu parles. Je pense qu'on est compatibles parce que, tu sais, moi, je m'entraîne beaucoup, je fais de la création de contenu. Après, c'est comme elles veulent, si elles veulent. J'ai mais... aussi, je suis là. Facile. C'est facile. Facile à vivre. Mais vas-y, frère. Ah. Ok. Là, ça se voit, elle voulait la pastèque. Un homme très indépendant, ça te dérange? Non. Moi, en fait, tu vois, sur Twitch, ça se peut que je fasse des lives pendant 8h, 10h ou quoi, ok. Moi, 30 minutes déjà, c'est beaucoup ça. Ah, mais c'est correct parce que moi aussi, je suis tellement occupé que je vais même pas réaliser. Oh, c'est bon, ça y est. Donc, Lina, qu'est-ce qui te rend différente? Moi, je trouve elle est bien la tenue à la rouge. Moi. La vie, fait qu'avec moi, je trouve elle est très bien. Parce qu'elle est. Et aussi, je rajoute quand même beaucoup de piquant. Fait que c'est sûr que ta vie serait pas plate avec moi. Donne-moi un exemple. Un jour par semaine, je vais être toxique, mais les 6 jours restants, je vais être. Next. Ouais, next. Hey, meuf, un problème ça. Spécial un peu, non. Tu peux-tu me donner un petit texte? Tu vas la quitter un jour, frère, elle va prendre une frappe, elle va appeler ses 15 grands frères et sœurs. Ça fait comme 12 heures que tu m'as pas texté, ça se peut que je me pogne avec toi, puis je suis comme. Mais là, comment ça, tu m'as pas texté, puis là, tu vas genre. La vie de ma mère, viens maintenant, cousine, viens maintenant, la vie de ma mère, on va voir qui c'est qui va gagner, toi et moi, frère. Oh, je prépare le rail, je prépare le tatami, tout ce que tu veux, le ring là maintenant, la tête de moi, on va se la mettre. Mais genre vraiment, premier degré, on va vraiment se la mettre. Tu mets un kimono, j'ai un kimono, on fait un sparring. Ah, mais c'est parce que je faisais mon. C'est trop, je les meufs toxiques comme ça. Sur Twitch, c'est toujours en train de live streamer, elle va déploguer ton ordi. Et Danica? Ben, on a quelques, peut-être, points en commun. Mais on a aussi bien des différences. Non, non, non. Donc ta fille pourrait porter la même Aymen. Non, j'aurais pas de kimono. Enfin, j'aurais une fille, mais. Ce sera un garçon manqué. Tu vois, ok, elle a dit la bonne affaire. Elle sait comment parler. Donc là, avec ça, là, elle gagne des points. Ça va peut-être tourner en cerise. Oh, j'ai pas envie de me mettre dans la merde, laisse-moi tranquille. C'est incroyable. Sauf que j'ai pas oublié que c'est vous, bande de fumiers, qui allez éliminer. J'ai peur. C'est quoi vos genres? J'ai pas de genre. Vraiment. Moi, j'aurais fait full semblant d'être à fond sur la rouge comme ça, elle élimine. Parce que moi, c'est ça mon lifestyle. Parce que ça se trouve, elle est fraîche, mais je me suis dit, c'est les tatouages. Ok. Bronzé, qui s'entraîne et qui prend son lit. Je sais pas, on dirait moi, non? J'aime les faces féminines, on dirait. J'aime quand le gars, il ressemble un petit peu à une femme. Quoi? Ben genre, Big Mitch, il ressemble un peu à une femme. Oh, après, elle a pas tort. Big Mitch, c'est ton genre? Ben, je sais pas, mais j'ai pas... Mila Lassani, c'est ton genre ou pas? Mais bien tant. Vas-y, frère. C'est quoi, cette paire aussi? Ah ouais. Oh, le jean, il rentre dans le fion, frère. Merci, toi aussi. Logique inversée, bah ouais, frère. Ouais, ça avait l'air bon, ça.
Ouais, Big Mitch, vas-y, frère, gère-les pour moi. Ah, il est chaud, hein, Big Mitch, il est chaud, hein. Wesh. On est supposé de l'aider à éliminer cette ronde, toi, tu s'en vas donner des câlins. Il a raison, il a raison. Big Mitch, il voudrait faire un épisode. Ah, friendly, même moi, je vais être friendly, je vais être québécois, mon sérieux. C'est quoi qui te dit ça? Vous avez vu tantôt, j'ai mis sur Instagram, story. Ça. Le public a envoyé des questions crunchy. Alexandre.x a demandé, sur 10, vous vous donnez combien au lit? Je pense que je me donnerais un 7.5, on va dire. Je considère que je suis bonne, mais il y a toujours plus à apprendre. Ça, je pense, en vrai de vrai, avec toutes mes expériences, mon record, franchement, c'était 1 minute 30, genre. Tu peux améliorer ta performance. 7.5. Et encore, j'étais pas dans un bon jour. Ça cache quelque chose. Mais ouais, 1 minute 30, c'était mon record, genre. Mais je pense que je pouvais le battre. On peut être surpris. Ben, honnêtement, moi, je me donnerais 10 sur 10. Faut être confiant. 10 sur 10 que, ouais. Ok, waouh. Je m'attendais pas à ça d'arrière. C'est juste un corps pour révéler qu'au niveau psychologique des personnes, selon toi, pour se rendre intéressant. Non, après. Ça, en fait, ça dépend. T'as des meufs et des mecs, en gros, qui a vraiment une signification, on va dire, avec leur tatouage et tout. En fait, pour moi, genre, si tu fais un tatouage pour te tatouer, ça pue sa mère, genre, ça sert à rien. Si c'est juste pour rendre esthétique, c'est nul. Mais si, vas-y, derrière, il y a une signification, un truc comme ça, vas-y, je peux comprendre, vas-y, pourquoi pas. Mais... sinon, frère, ça... pour moi, genre, je trouve ça beau. Mais... ça pue sa mère en même temps, genre, sur un corps. Je trouve que c'est inutile, en fait. En fait, maintenant, t'as plus de personnes qui sont tatouées plutôt qu'ils ne le sont pas. Et on va pas se mentir. Genre, quand tu sors dans la rue, ou même tes collègues, ou même n'importe qui, frère, la plupart du temps, elles sont tatouées, les personnes, même le meuf, frère, maintenant. La plupart du temps, elles sont tatouées, soit elles ont un cœur ici, ou sur le poignet, ou alors sur le doigt. Ou tu sais, elles ont une date de naissance sur l'avant-bras, ou tu sais, il y a toujours un truc comme ça. Mais c'est pour ça. En fait, je trouve ça pue sa mère, des tatouages sur une meuf et sur un mec, genre. C'est nul. Et surtout quand c'est juste pour l'esthétique. Mais après, ça reste beau. Et toi, Imen, zéro, non, vu ton expérience. Non, frère. Parce que moi, je suis un 10 sur 10. C'est juste 1 minute 30, c'était mon record. Mais moi, j'aime beaucoup parler. Freaky. Moi je parle pas, je grogne. Ouais, moi je fais des bruits. C'est, moi. Quoi, c'est le fils de Bouba. Toi tu fais ton grognement, tu sais qu'est-ce que moi je fais? Moi je dis, allez vous abonner. On est des toi à 100 000 abonnés. À 10 000 likes, les gagnants de la vidéo vont être à la maison des gagnants. Vous voulez du divertissement? C'est bien pour faire le tri. Ah ouais frère, totalement. Moi je fais souvent le tri en plus. Maison des gagnants, c'est à je vais le faire, le tri dans mes connaissances. Merci pour voir le sport, c'est crazy. 10 000 likes. Il n'est pas de liker. Travaille dur pour vous, pour faire du contenu, pour faire rire, pour faire donner de la joie. Ça y est, Big Mitch, ça y est, frérot. Doucement. Ouais, c'est exactement ça que je dis. Là, pour les meufs, on a compris, c'est bon, frérot. Une autre question. Il va te réinviter. C'est quoi le pire endroit où vous avez eu des relations sexuelles? Au travail ou dans les toilettes à Place Laurier? Pourquoi c'est précis comme ça? Place Laurier, c'est la pire. Je peux pas répondre. Par un garde. Oh non. C'est quoi, c'est un centre d'achat? Ouais, à Québec. Lina? À un moment donné, tu sais, j'étais au cégep, puis on avait comme un studio d'or. Puis à un moment donné, j'étais avec mon ex là-bas. Franchement, j'ai aucune expérience dans ce domaine. C'est pas grave, frère, tu veux que je t'apprenne? Impossible. Tu sais, même dans les toilettes et tout, même dans les cabines des sièges. Vas-y, je vais te faire un petit cours d'éducation sexuelle. T'as vu, la première fois que tu vas le faire avec une femme, en fait, vraiment, c'est ce côté animal. Tu vois, comme Freeman il a fait, faut que tu grognes, faut que t'aboies et tout. Genre, vraiment, faut que tu gonfles le torse. Et t'as vu, tu commences à crier. Genre vraiment ça, t'inquiète, ça va bien marcher et tout. Et genre, oublie pas, t'as vu, de protéger. Parce que sinon après, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir le sida, voilà. Mais oublie pas, genre, pour impressionner, genre, tu fais comme t'as vu dans Geographica National, là. Tu sais, t'as vu le mâle dominant, là, quand il veut gérer une meuf, comment il fait? Bah, tu fais pareil, genre, t'inquiète. Ça marche à tous les coups, fais-moi confiance. Dans l'océan. C'est juste 1 minute 30, frère. Dans l'océan, genre... Non, ça va, je suis trop jeune pour ça. Ouais, ouais. Je clippe les concepts. Friction. Ah ça, force personne. J'ai entendu ça moi. Force personne. Okay. On est pas ensemble. Bon, de la part de Elisa, tire en bas, bête, tire en bas. La pire chose qu'il a pu faire à une ex. La pire chose que j'ai pu faire à une ex. La tromper. Je pense que c'est la pire chose. Tu ferais plus ça aujourd'hui, j'espère. Non, maintenant on a grandi. On est respectueux, on sait ce qu'on fait. Moi, j'ai la vérité. La pire chose que j'ai fait, c'était la ghoster pendant une semaine. Voilà. Mais en fait, ça, j'étais en droit. Genre vraiment. Les autres, Ariane, c'est quoi que t'as fait dans ton ex? Pas vrai, j'ai juste un seul ex. Il y a une petite histoire, c'est plein. Lina? En fait, je fréquentais mon ex, puis en étant en fréquentation, on n'était pas encore en couple, puis ça faisait 3 jours, il m'avait pas texté. Fait que j'ai envoyé une vidéo de moi en train d'embrasser mon autre ex d'avant.
J'ai fait semblant que c'était la même journée que je l'ai filmé, puis j'ai envoyé, puis j'étais comme you. Wow. Attends, je comprends pas. Ouais, t'as pas été dingue. T'as envoyé une vidéo où t'embrassais ton ex, ton autre ex. Ça, j'avais oublié ça, frère. C'est ça qu'elle parle quand elle dit des fois, elle fait. Tu comprends? Non, mais ça, c'est trop. Ça nous fait vieillir après. Frérot, t'imagines, tu lui parles pas pendant une semaine, elle a embrassé son ex. T'imagines, elle t'envoie une sextape de elle et son ex qui est en train de la prendre en leuleu et tout et qui crie ton nom. Ah frère, oh non, c'est chaud. C'est calvitie, ah, faut éviter. Tu vois, les gens après sont trop stressés. Ouais, c'est pour ça, frère, j'ai eu la calvitie, c'est à cause de ça. Pas intéressant envers moi. Ça veut dire que tu t'en fous si je t'envoie. Non, ça veut, non, ça veut rien dire. Mais arrête de tout mélanger, cousine, ça veut rien dire. Parce que j'avais un doute sur la relation. Moi, je donne mon téléphone, il n'y a pas de souci, prends. Ouais, j'ai rien à me reprocher. Bon, par contre, va pas sur Telegram. Mais j'ai rien à me reprocher. T'as dit que t'habitais à Montréal, t'habites où maintenant? Je suis rendu à Québec présentement. Ah! C'est vrai pour toi? Ouais, non, ici, Montréal, c'est l'endroit où il faut être. C'est important. Damn, ok. C'est l'élimination, Freeman. C'est nous qui tremblons. La deuxième. Moi, je sais. Ils vont pas l'éliminer, la deuxième, le problème. Freeman, nous, on est là pour t'aider. Ils vont éliminer la première ou la troisième. Dans la dernière ronde, je pense qu'il y a certains trucs qui ont pas concordé avec ce que toi, tu recherches, peut-être. Fait que moi, je vais éliminer Lina. C'était sûr. Ah non, c'est bon, non, c'est bien. Vraiment, c'est bien. Toi. C'est bien, c'est bien. Ce qu'elle a dit, ça avait pas l'air de faire grand plaisir, tu sais. Puis comme moi, j'ai ses intérêts à cœur, fait que je vais voter pour Lina aussi. Faut pas oublier que Freeman, c'est pas qu'est-ce qu'il a besoin. Peut-être que elle, c'est comme sa douce moitié qui le complète, genre. Il veut le mettre dans la merde. Quand pour qu'il pense que c'est la bonne. Peut-être que j'ai pas eu de piment dans mes anciennes relations. Peut-être. Elle a quand même dit que, mettons, si tu suis pendant trop longtemps, ben là, elle va peut-être te péter une petite. Ah ouais. Faut pas qu'elle sorte avec Sardoche, elle. Elle va péter un câble. Ça se peut qu'elle donne des problèmes dans ta aussi. On aurait eu plus bout de jour. Au pire, je vais l'éliminer, mais je vais la garder pour toi. Hein? Ah, mais t'as faim, toi. Et il se dit, mon ami. Ok. Elle a raison, frère. Je dois te suivre. Lina, malheureusement, tu es éliminée. Je dois suivre les votes. Désolé, Lina. Ok. Wow. En vrai, ça va. Mais ça, je dis la vérité. À une époque, en 2017-2018, franchement, elle pouvait éteindre tout le monde. Les Arbiettes, sous lissage brésilien brune comme ça, je lui jure qu'elle mettait une tempête à n'importe quelle meuf à l'époque, vraiment. Bon, là maintenant, c'est un peu moins, mais. Ah, ça fait trois fois. Ça va? Ça va, toi? Oui, ça va. C'est dommage. Je suis sûr, à l'époque, elle mettait une vitesse à tout le monde. C'est mon BG, j'ai clippé tes cousins dans Discord pour les pas sûr. Merci, mon ref. Et de tout le monde. C'est pas moi qui t'ai éliminé. C'est eux qui t'ont éliminé. Et tout ce qu'ils disent, c'est totalement. D'accord? Ils ont supposé des choses, mais ils ont pas lu ce qu'il y avait dans mon cœur. Je dois accepter malheureusement. Non, je jure qu'à l'époque, elle aurait mis une tempête, mais... Après, c'est dépassé maintenant pour moi, ça. C'est vraiment dommage. En fait, ça sent bon. Aïe. Elle sent le fruit. Merci, Lina. Ah là là. Mais en fait, ça, je vous ai dit, les frères, en fait, les meufs comme ça, c'est des meufs à problème. Ces meufs, elles peuvent ramener leurs grands frères. Leurs grands frères qui sont sortis du Hebs, frère, qui sont partis faire du placard pendant des mois et des mois et des mois. C'est ça le truc, frère. Un style, ouais, Kimika, oui, mais c'est Kimika, mais de toute façon, c'est... maintenant, c'est comme ça. La plupart des meufs, poto, c'est des Kimika de Wish, mec. Il reste, okay, il reste encore des bébés et tout. Et peut-être, mais de toute façon, j'ai toujours dit, les meufs qui sont belles au naturel, restent au naturel, c'est mieux. C'est la ronde finale. Peu importe qui je vais avoir, bah, je sais que je vais être satisfait. C'est le moment. Après, si vous ressemblez à moi, forcément, c'est mais... C'est pas pour red flag, je fume, hein. Et soyez honnête. Mais en fait, c'est par rapport à ce que t'as dit tantôt là, sur les live Twitch. Tu disais comme que tu peux ne pas texter ou whatever. Au moins, ben, si tu t'avertis pas avant, ça je trouve que c'est un red flag. Mais si tu fais, tu me dis, ça y est, je vais en live Twitch, je te reparle après. Ouais, non, ça je préviens toujours. En fait, moi, c'est vraiment, tu sais, quand je brief la personne et que malgré ça, elle arrive quand même à dire quoi que ce soit. C'est ça en fait que j'aime pas. Ça c'est rien, ça. C'est important, puis t'as l'air très travaillant, mais est-ce que si t'as une girl, est-ce que ça va être quand même ta priorité, puis tu vas prendre du temps pour elle? Alors, ça va pas être. Moi, red flag à moi, la vérité, si une meuf, elle chose du 40 ou plus, c'est mort. Ma priorité, c'est moi. Et c'est normal, on devrait tous être notre priorité. Ah frère, j'ai pas envie de sortir avec un. Un joueur de foot de régional ou de national. Je suis pas avec personne. C'est bon. Toi, t'aurais-tu des red flags pour ces filles-là? Ouais, par contre, Freeman, il a des rabaisse de baiser, il est stock. Il est beau gosse. Et des fois, une fille qui dit oui. Genre, vraiment. C'est un peu chiant. Genre, si je sors dans la rue et tout, ça. J'aurai le démon. C'est rafraîchissant. Tu sais qu'il va tout les gérer. C'est cool parce que. Avec ma priorité, c'est pas bon là.
père, elle connaît pas le mien. Et puis, après frère, c'est les meufs, c'est comme ça, cousin. Ouais. T'as traité de meufs qui sont comme ça. Hein. Mais elle habite à Québec. Putain, c'est vrai ça. Donc t'habites. Ça, ça y est. Pas. Non, j'habite en appartement. Et à rien. Moi, j'habite à Laval, dans un condo. C'est mais les meufs oversize comme ça, c'est incroyable. Ah, habillez-vous comme ça, les gens. Ariane et Freeman, c'est comme les mêmes personnes. Ou alors mettez des Lacoste, les meufs. Même chose. Et Danica et Freeman, c'est comme les contraires. Ouais, je le check. Ah, vraiment. Oh, filez. Ok, bah. Non, mais c'est même pas ça, frère. C'est. Bon choix. Juste que si je sors dehors. C'est un truc que j'ai appris dans la vie. Je sais que vas-y, toutes les meufs vont être à fond sur lui. Moi, je vais passer pour le meuble à côté pour la merde. C'est qu'en fait, je vais perdre au moins 100 de aura. C'est le raisin et les cerises. Oh. C'est deux fruits qui se ressemblent énormément. Ce n'est pas un hasard. Car j'ai constaté que la candidate numéro 3 que j'ai éliminée aujourd'hui. C'est la 3. Danica. C'était sûr. C'était sûr. C'est ce que j'apprécie chez elle. Mais je pense que ce qui a fait en sorte que je fasse ce choix-là, c'est vrai qu'elle habite un peu trop loin. Il y a ça. T'inquiète bien, Danica, moi je suis là, moi. Là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, c'est sûr que me mettre avec quelqu'un qui est créatrice de contenu, ça serait plus facile pour qu'on s'élève à deux. C'est pour ça que je choisis Ariane. Ah ouais, il veut faire des trucs de fou. Ah, c'est pas facile. Danica. Aïe, aïe, aïe. Ok, Danica. Je suis déçu de fou. Oh, tout ce cheesing et tout pour rien. Je suis déçu de fou, frère, j'ai envie de pleurer. C'est bon, le saisir. C'est quoi ça encore, ce rêve? Je vais voir. Je suis déçu de fou. Je m'attendais à skinny de fou. Après, c'est pas mon style, mais je m'attendais vraiment à... C'est bon, c'est... C'est bon, j'ai la rêve. Vas-y, donc ça, toi aussi, frère. Oui, par ruissellement, tu pourrais avoir tes chances. Frère, je suis un peu déçu. Bonjour. Salut. En fait... Mais j'aime vraiment toi aussi. Merci. En fait, elle est belle et tout, mais je m'attendais de fou à t'as vu, à vraiment une skinny du visage de fou furieux, une blonde platine. Genre, j'ai mis trop de... Moi, j'ai mis trop la barre haute, on va dire. Ah, franchement, c'est pour ça. Mais parlant de Freeman, genre... Merci mon ref pour le follow, c'est du quoi le ref? Bienvenue à toi. Beau garçon, t'as une belle personnalité. Qu'est-ce que j'ai mon ref? C'est réciproque. Merci, vraiment. Ah frère, même lui, il est sur le bord. Je pense qu'il s'appelle... Mais en fait, je pense qu'il a les mêmes règles sur moi. Mais moi, je m'attendais pas à ça. T'es prêt, Freeman, pour voir la gagnante? Let's go. Est-ce que t'es stressé? Ouais. Ok, bon petit. Je sais pas, ressembler à quoi? Ouais. En vrai, ça va, mais pareil, j'ai trop mis une barre haute aussi. Salut. Ouais, je me suis fié aux jambes, c'est pour ça. Bah voilà. En fait, elle est belle, mais c'est cool. C'est pas mon style non plus. On dirait un peu une suédoise, genre, ou des trucs comme ça. Ouais. Merci. J'apprécie, c'est gentil. Vous serez prête à aller en date. Ah, je suis déçu. Commencer par raisin après. C'est juste comme mon ref copain. Et ça compte, frérot. La cerise, c'était un peu trop poussé. C'est quoi, wesh? Mais le raisin, pour commencer, pourquoi pas? Ça peut être cool. Dinguerie, parce que. On va aller dans la maison. Ouais, je crois que c'est moi qui choisis, frère. J'ai vu l'Insta, je serais pas là à ce moment-là. Toutes les vidéos qui ont eu 10 000 likes, les gagnants sont. Attends, pour moi, la meilleure, c'était elle. Attends, elle est où? Vas-y. Et toi? Oui. Pour moi, c'était elle. Pour moi, c'était elle. Ah. Ouais, pour moi, en fait, il y avait que elle comme meilleure, genre vraiment. Le reste, vas-y, frère. C'est pas qu'elles étaient moches, mais. Ouais, je pense que j'ai trop mis la barre haute. Elle, parce que pour moi, elle, genre, elle était pas ouf. Et Prime, elle était comment déjà? Prime, on l'a vu ou pas? Elle ressemble à quoi? C'est elle, Prime. C'est pas elle, Prime, t'as une fuite. Ouais, si c'était elle, Prime. Ah bah, frère. Ça, je suis dégoûté.